Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif ce sera de réaliser ce symbole, donc le yin et le yang. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus et la suite de cette présentation. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Et on va créer une image de 500 par 500, 300 en résolution. Et l'arrière-plan sera blanc. On valide. Donc on arrive ici. À partir de là, je vais créer un calque transparent. Je fais OK. Ensuite, je vais aller dans Images, Guide, et je vais rajouter un guide à 50% en horizontal, un autre guide à 50% en vertical. Je vais ensuite aller sur l'outil de sélection elliptique et je vais demander à étendre depuis le centre. Alors, une petite chose à vérifier avant que je continue, c'est que je vais pouvoir aligner sur la grille et aussi on va carrément mettre aussi les autres alignés, on sait jamais. Alors, étendre depuis le cercle et coucher, fixer les proportions, c'est bon. Je me rapproche et je vais cliquer au centre de ces guides pour étendre et je vais faire un beau cercle. Alors on va essayer de faire un cercle. Donc là, on va dire 400. Taille 400. Une fois qu'on est arrêté, je vais l'appeler. Alors, ce calque, je vais l'appeler un cercle. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Sélection et je vais cliquer vers Chemin. Donc là, ici, il va se créer un chemin que je vais appeler Cercle. Je vais appuyer sur le mode Afficher. Et l'idée après, ce sera de diminuer et de placer celui-là. Voilà, j'ai l'impression que ça va pas m'aider d'avoir le truc central. Je vais décocher. C'est mieux, apparemment. Voilà. Donc je place ce cercle. Il s'aimante et puis il s'en va. Ah, c'est bon. Donc voilà, mon cercle est placé en haut. Je vais dans Sélection vers chemin. Je vais l'appeler peut-être petit cercle. J'ai pas trop d'idées de nom. Oh. Je vais me placer au milieu de ce petit cercle. Je vais le déplacer. Donc il est un peu aimanté tout ça. Donc normalement il se place bien. Et je vais faire la même chose vers chemin. Donc on va l'appeler petit cercle en bas. Allez, à partir de maintenant, on va faire afficher tous les chemins. Donc là, maintenant on voit tout ce qui est bleu là, c'est les chemins. Donc je clique à côté. Donc ce que je vais faire, c'est un petit exercice un peu particulier, c'est que je vais sélectionner le grand cercle, je vais faire cliquer chemin vers sélection, donc il me sélectionne le cercle. Peut-être que la sélection, le masque rapide va aider. Voilà, ça c'est déjà un premier élément. Je vais cliquer sur le cercle du haut, cliquer bouton droite et je vais lui demander de soustraire à la sélection. Cercle du haut.
Voilà, là, le cercle du haut est sélectionné. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais prendre l'outil rectangulaire pour prendre en fait la moitié. Je désactive. Donc, je vais cliquer sur soustraire la sélection actuelle. Parce que là, on a, pour rappel, on a ça. Donc là, il faut soustraire cette partie. Pas tout, mais on va voir comment on rattrape. Donc là, il m'a fait un moins. Là, c'est fait. On regarde le masque rapide. Et là, ce qu'on va faire, on va, ici, on va ajouter. Il s'agit d'aller par là. Donc, on va aller sur cercle du bas. On fait un clic et on va ajouter la sélection. Et normalement, on a nos éléments sélectionnés ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller, à la limite, c'est peut-être pas, je vais l'appeler Yang. Je mets la couleur par défaut et je vais demander un remplissage de la couleur de premier plan. Voilà. Je vais faire une inversion de sélection. Et je vais appuyer sur la touche Supr pour que ça revienne, la transparence. Donc là, il me reste à faire l'autre côté, donc la partie blanche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'arrière-plan. Je vais l'appeler In. C'est une petite gymnastique de l'esprit à chaque fois. Donc, je sélectionne le grand cercle. Je demande la sélection du grand cercle. On va inverser la sélection. Clic droit de la souris. On va ajouter un canal alpha. Comme ça, on aura une transparence. Et là, on pourra appuyer sur Supr. Voilà. À partir de là, on va revenir sur In et on va demander alpha vers sélection. Voilà. Et on revient sur, alors, on était sur Yang, alpha vers sélection, on revient sur In et on appuie sur Supr. Comme ça, maintenant, on a les couleurs de chaque côté. Alors ensuite, on prend le compas et on se rapproche du haut. Donc normalement on est à 200 pixels, puisque je vous rappelle que le grand cercle c'est de 400. Donc là nous ce qu'on va essayer de faire c'est trouver 100 pixels, donc le centre. Le centre. Je fais contrôle pour que ce soit bien droit. 100 pixels c'est ici. Je prends un guide, je glisse depuis la règle et je fais la même chose de l'autre côté. Je vais chercher 100 pixels. Voilà. Je vais chercher 100 pixels. Voilà. Je glisse la règle, enfin le guide. Et après, je reviens sur sélection du cercle elliptique. Donc, outil de sélection elliptique. Je vais étendre depuis le centre. Je coche. Et je vais faire des petits cercles. Alors, je vais essayer de dimensionner à peu près. On va faire ça. On va faire ça avec ça. Alors, donc sur le ing, je vais glisser déposer la couleur blanche ici. Je vais sur le ing. Oups. Alors. Je vais sur l'outil déplacement et je vais sélectionner sélection. Comme ça, je vais pouvoir déplacer cette sélection qui est encore active à l'endroit qui m'intéresse. Voilà, donc, le centre bien comme il faut. Donc là, il faut que je sois sur le in et je dépose, je fais glisser déposer la couleur. Voilà. Ben là, normalement, c'est terminé. Je retire les guides. Donc image. Guide, enlever tous les guides. Et à la limite, s'il faut, on va mettre un nouveau fond complètement différent. On va sélectionner une autre couleur, du rouge. Alors, glisser, déposer. Hop.
Donc pour moi, il n'y a pas de sélection. Aucune sélection. Donc glisser, déposer. Ok, bon, il n'y a pas de... Ok. J'ai terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous trouvez que c'est réussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.